de retour sur la page de Gangan TV où pratiquement nous sommes à l'aéroport international de Conakry-Bessia. Une forte mobilisation contre cette décision de la CEDEAO qui aujourd'hui a suspendu ou a géré le compte des responsables du CMRD. Donc on va se diriger vers ces jeunes qui manifestent contre cette décision de la CEDEAO. Et c'est une manifestation qui se passe à la rentrée de l'aéroport. S'il vous plaît. Je suis Condé Moussa Kondéba. Je suis le président du collectif des acteurs pour la transition réussie à peser et en crise. Alors, qu'est-ce que vous faites devant l'aéroport alors qu'on doit recevoir des émissaires ouest-africains? Nous sommes là, c'est la réponse au diktat qui est imposé par la CEDEAO au peuple souverain de Guinée. On ne peut pas imposer un agenda à un peuple souverain sans définir les contours, sans définir la stratégie, sans définir les missions, sans définir les moyens. Nous pensons que c'est du chantage. Nous pensons que c'est des pressions inutiles. Nous sommes là pour porter la voix du peuple de Guinée, pour dire que le peuple de Guinée est un peuple résolument engagé désormais à la refondation et à la reconquête de toute son indépendance, toute son intégrité, toute son adhésion à cette marche inéluctable vers une Guinée meilleure. Merci, monsieur. Vous pouvez donc constater, ils sont très nombreux. Le dispositif d'ailleurs est de deux bandes, deux lignes pour permettre carrément de gérer ces jeunes enfants. Ces jeunes, ici, massivement, je ne peux même pas les laisser dans la foule. Certains sont là. Décision de la CEDEAO d'abord d'imposer un calendrier de 6 mois, mais aussi On ne doit pas les donner à boire. Ils n'ont qu'à se retourner à bord de l'aéroport ici. Si notre président nous comprend, la CEDEAO n'a qu'à se retourner à partir de l'aéroport ici. Nous ne voulons pas d'eux. À bord la CEDEAO. À bord la CEDEAO. À bord la CEDEAO. À bord les négociations. C'est au Guinéen de décider comment la transition va se passer. Pas une CEDEAO. Voilà, c'est clair. Et le président, il n'a qu'à comprendre notre message. S'il négocie avec la CEDEAO, il nous a trahis. C'est clair. Il faut qu'ils comprennent cela aussi. On ne négocie pas avec ceci. Ils ont fait échouer les transitions passées là.
ils ne feront pas échouer celle-ci. C'est notre dernière chance et on va la saisir. Qu'est-ce qu'il faut comprendre de cette CEDEAO? La CEDEAO là est une association des chefs d'État qui sont là pour protéger leurs intérêts. Ils ne sont pas là pour le peuple africain. Donc c'est pourquoi nous aujourd'hui, peuple guinéen, nous venons dire non à cette CEDEAO, non à cette Union africaine. Parce que maintenant, le peuple africain va prendre son destin en main. On a vu où était la CEDEAO lorsque la constitution guinéenne était en train de bafouer en 2020. En octobre 2020, il y a eu combien de tueries ici? La CEDEAO ne s'est pas déplacée. Plus de 400 et quelques personnes ont été tuées en Guinée. Ils ne sont pas déplacés. C'est parce que maintenant, il y a eu un brave. Le colonel Doumbouya a pris sa responsabilité pour libérer le peuple guinéen. Maintenant, ils veulent venir nous dicter, nous dire qu'est-ce qu'ils veulent faire. Non, on ne va pas accepter. Leur calendrier de 6 mois, ça ne va pas passer. On a du temps, on prendra notre temps pour réformer le pays-là. Parce que le pays-là, le système est complètement bafoué. Le système est très mauvais. Donc, il faudrait vraiment faire un travail. Donc, c'est pourquoi la CEDEAO a pas. On va quand même continuer vers ces jeunes. Ils sont très nombreux. Ils ont pris pratiquement l'aéroport. Ils ont quadrillé l'aéroport. Nous n'allons pas accepter cette fois-ci qu'on met la pression sur ces gens-là. Ce qui est fait est fait. Ici, le mouvement que vous voyez, c'est pas un mouvement de soutien. Moi, principalement, je réside pas ici. Je réside en Belgique. Mais je suis toujours en relais avec tous mes amis, mes frères qui sont ici. Quand nous venons ici, vous voyez pourquoi ils sont calmes. Ce n'est pas que j'ai la plus grande gueule. Non, ils savent tout ce que je suis en train de dire. Ils sont d'accord. C'est qu'il y a là, c'est le ressentiment de tout le monde. Ici, c'est parce que c'est à 0h, 1h hier qu'on a été au courant pour ça. Si on était au courant depuis le matin, à mon avis, ils n'auraient pas eu de passage ici. Nous les attendons une deuxième fois qu'ils viennent. Et nous allons faire passer un message au colonel Bambiadi Doumbouya. Nous ne sommes pas là comme un mouvement de propagande ou autre chose, non. Nous sommes là pour répondre à notre souveraineté. C'est lui qui a dit que nous n'allons pas recommencer les erreurs du passé. Et ça, c'est la CEDEAO qui vient nous imposer les erreurs du passé. Alors c'est pourquoi nous sommes sortis, pour dire non. Est-ce que vous comprenez? Moi, ce n'est même pas un problème de troisième mandat, c'est l'expérience qu'on a de la CEDEAO. Ils ont foutu le bordel ici en 2010. On ne veut plus que la même chose se recommence. Mon frère, en 14 jours, ils viennent nous imposer un agenda. Mais c'est une pression pour moi, il y a un agenda caché derrière tout ça. Qu'est-ce qu'ils veulent? Avoir un siège ici, être là parmi nous pour conduire la transition. Nous sommes souverains, nous ne voulons pas les voir à table ici comme en 2010. Merci. Vous avez donc compris, ils sont très nombreux. Et pendant que je suis à l'aéroport, est quadrillé. Liberté! On va prendre quand même une des femmes. Les femmes aussi sont là, le mouvement. Oui, bonjour madame. Liberté! Vous allez bien? Qu'est-ce que vous faites? Souveraineté! Là pour passer un message. Honneur! Dignité! Souveraineté! Et à l'égard de la CEDEAO qui vient nous imposer déjà un agenda préconçu pour bâcler ici notre transition que nous voulons inclusive en première position. Et en deuxième position, c'est un message aussi qui va à l'endroit du colonel Mamadi Doumbouya pour lui dire que s'il se range du côté de cette agence-là, il nous verra sur son chemin. Parce que ça sera une première trahison. Ça, c'est une première visite. C'est une première pression. Il y aura une deuxième pression et ainsi de suite. Nous ne voulons plus que la même chose se reproduise. Nous sommes à présent un peuple pas résigné, un peuple responsable qui veut prendre son destin en main et qui veut désormais tracer sa propre voie et son propre chemin. Nous ne voulons pas d'un agenda de 6 mois, mais ce n'est pas possible quand même. Ce n'est pas possible. Nous ne sommes pas là pour un soutien quelconque au CNRD. Non, nous sommes là pour défendre la Guinée parce que avant tout, la Guinée est un peuple souverain. La Guinée a son indépendance. Nous ne l'avons pas commandée, nous l'avons arrachée. Donc nous sommes là pour passer un message en multiple sens et à la CEDEAO et au colonel Mamadi Doumbouya au CNRD, mais aussi aux prochaines autorités, de leur faire savoir qu'il y a maintenant un peuple parisien, un peuple responsable qui ne va plus se laisser faire. Merci, vous avez compris, hein? Ils sont très nombreux ici à l'aéroport. Il y a même une double bande de la sécurité pour permettre à ces jeunes, pour essayer de cadrer tout simplement afin que l'événement puisse se passer. Parce qu'il faut noter que le colonel Mamadi Doumbouya lui-même en personne est sur les lieux. Le colonel Mamadi Doumbouya en personne est sur les lieux. C'est le président de la République de la Côte d'Ivoire qui a été le premier à fouler le sol guinéen.
On attend d'autres chefs d'État, c'est ce qui nous a été dit. Ici, donc vous pouvez bien voir, ce sont des gros gabarits de la gendarmerie, de la police, et surtout composés de jeunes intellectuels qui ont très bien compris que je devais sortir, parce que la rentrée et la sortie sont des mouvements très compliqués aujourd'hui. Nous revenons tout à l'heure, puisque nous devons encore rentrer dans l'enceinte de l'aéroport international Conakry-Bessia, où vous avez vu que c'est un aéroport qui est sous haute surveillance. Nous revenons tout à l'heure, puisque les autres chefs d'État aussi viendront pour rencontrer les autorités pour la même cause. Mais déjà, vous voyez déjà, un premier barrage se heurte devant ces autorités de la CEDEAO qui ont accepté pratiquement, jugé nécessaire de rencontrer en tout cas les autorités. Alors, c'est tout pour le mouvement anti-CEDEAO que vous venez de constater. La suite, c'est dans l'enceinte de l'aéroport.